D'accord, oui, ça va. Dieu merci. Se passe bien. Très bien, par grâce de Dieu. Là, vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 7h45. Depuis 7h45. Ah, les autres sont déjà partis pour leur mission? Oui, oui. Sur Bundiali. Je suis François Nguesson, gérant de SOS Elect. SOS Elect est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'installation des réseaux électriques. Nous faisons tout ce qui est construction de réseaux, les hautes tensions, les moyennes tensions, les basses tensions. L'entreprise s'est implantée dans la région de Gbeke, dans le chef-lieu Bouaké, pour apporter un nouveau souffle de vie aux populations. Vous voyez, il y a de nouveaux quartiers qui se créent au quotidien. Et ces quartiers, loin du réseau initial, ont besoin d'extension. Donc, c'est notre devoir de pouvoir accompagner ces populations en construisant des réseaux. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre maison, vous avez l'outil, un terrain, vous avez besoin qu'on fasse la viabilisation, vous pouvez nous contacter. Et nous ne sommes pas cachés à Air France, à la rue 22, entre la rue 21 et 22. Nous sommes là et nous sommes là pour répondre à vos différentes attentes. C'est vrai, Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, mais à l'intérieur, il y a aussi des besoins. Et nous sommes installés là pour accompagner l'État dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'installation de cette entreprise répond à l'appel du chef de l'État Alassane Ouattara à la diaspora. Le président a demandé à la diaspora de venir investir en Côte d'Ivoire. Et des jeunes Ivoiriens vivant aux États-Unis ont donc saisi la main tendue du président de la République et nous avons réfléchi pour mettre en place cette entreprise. Je lance un appel vibrant à l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Quand vous avez un projet d'extension, de réseau électrique, vous avez un projet de viabilisation de votre site, vous avez un projet d'électrification de votre cité, de votre maison, le seul contact c'est SOS Elect. Et nous sommes situés à Bouaké, à Air France 1, entre la rue 21 et la rue 22. Nous vous attendons donc.